un petit live. Enfin, j'ai pas encore fait l'annonce, il doit sûrement pas y avoir beaucoup de monde. Mais bon, on va. Voilà. Donc on est parti pour à nouveau du Resident Evil, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et, ah voilà, il y a le son. Il y a le son du jeu. C'est ok. On va couper la musique. Je vais faire une petite annonce sur Discord. Et c'est parti, l'annonce est faite. On va pouvoir y aller. Et merde, la manette s'est mise en route alors que je veux pas jouer à la manette. Alors, on en était là, on était revenu ici avec. Je l'ai reposé. Mince, excusez-moi 2 secondes. Me revoici, me revoilà. Alors, qu'est-ce qu'on était venu faire ici? Ah oui, on avait trouvé une photo. Alors, est-ce que je l'ai encore? Voilà, on avait trouvé une photo de la recrue prometteuse. Et salut Charmina. Et on avait trouvé. En fait, à la base, on avait trouvé une photo. Voilà, on avait trouvé des planques. 2 planques dans le commissariat. On a été les trouver. Donc, il y avait à un endroit du carburant.
Et à l'autre endroit, il y avait le viseur point rouge pour le Magnum et la pellicule. Je veux même pas savoir ce qui s'est passé avec cette pellicule. Enfin bon, maintenant nous revoilà. Nous sommes toujours en haut dans le commissariat. On avait pas mal découvert le truc. Il y a de la plante verte ici. J'hésite à y aller, mais franchement, je me demande si c'est utile. Faut que je vois combien de plantes vertes il me reste en fait dans le coffre. S'il n'y en a pas beaucoup, j'irai bien la chercher. J'en ai qu'une. Je vais aller la chercher. Juste à remonter, passer par la bibliothèque. Je décide de tout poncer du bois dans le bureau et en étant comme malade, c'est pas un bon bail. Ah! Effectivement, c'est peut-être un peu risqué. Merci, j'ai loupé la porte. C'est peut-être un peu risqué. Alors, je vais pas activer la cam parce que j'ai un petit problème niveau avec la cam. Oula, petit freeze. Un petit problème avec la cam. Je sais pas ce qui s'est passé. Il voulait plus me la détecter. Donc, je l'ai désactivé. Comme ça, vous pourrez bien profiter de tout l'aspect du jeu. Ici, ouais, alors on est là. J'ai 4 balles, c'est pas. Ici. Alors j'ai loupé ce que j'étais venu chercher à la base. J'ai vu qu'il y avait un couloir. Voilà, la plante verte. Comme ça, j'ai tout récupéré. Enfin, je pense. Voilà. Mais là-bas, il y a une porte. Je me demande s'il peut pas y avoir des items par là. Effectivement, il y a bien des items. Oh, la méga de repos! C'est fait. Ensuite, on avait tout exploré. Il nous manquait une clé pour finir d'explorer toutes les pièces. En fait, il y a tout un endroit du commissariat qu'on n'a pas pu explorer. Sinon, on avait tout exploré niveau commissariat. J'étais remonté pour la pellicule. Comme ça a été fait. J'ai pas trouvé cette fameuse clé cœur. Que je ne sais pas où aller. Mais bon, tant pis, ce n'est pas très grave. On va redescendre par là. Attendez. Et hop! Descente rapide. Alors. Pour pas de soucis, et on va redescendre dans les. Alors, bon, vu qu'il me reste à huiler, il va falloir que tu fasses des screens pour ma prochaine sculpture. On voit ça tout à l'heure. Je regarderai tout à l'heure en vocal, si ça te dérange pas. Je vais poser ce que j'ai, la méga de repos et la plante verte. Hop, j'ai encore des munitions. Est-ce que j'ai encore de la poudre noire? Oui, j'en ai encore. Je vais pas l'utiliser maintenant. On va redescendre. La marche, Charmin, on en parle tout à l'heure. Alors, ici, ouais, il fallait redescendre tout en bas. Ici, je pense que j'avais. Oh, j'ai encore. J'ai laissé le badge ici. Il ne sert plus à rien, mais bon, je vais le prendre quand même. Ici, j'ai tout pris.
Allons-y, revoilà. Alors, la salle de pause, apparemment, il y a encore des trucs à récupérer. Des munitions. J'allais en faire en plus, donc ça tombe bien. Et rien du tout. Et on a tout récupéré ici, parfait. Ensuite, il y a la salle d'injection d'eau là-bas que je peux aller chercher ce qu'il y a. Ouais, il me faut la clé, c'est bon. Parfait. Méga de repos encore. Et poudre supérieure, parfait. Et il n'y a plus rien ici. Ensuite, il y a le composant. Est-ce que si je le prends, ça va me... Ok, c'est bon. J'ai tout fait ici. Ok, ça redescend au canal inférieur. On va redescendre au canal inférieur. Je vais faire le tour par en bas. Apparemment, il y a des trucs à récupérer ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite. Vérifie des détritus. Parce qu'apparemment il y a des objets à récupérer. Merde. Là. Je peux ouvrir cette porte. Parfait, c'était le truc qui était bloqué. Par contre, il y a encore des trucs à trouver. Ah ah ! Je l'ai vu de loin. Et ici, c'est OK. Oh, bon bail ça. Parfait, j'ai tout exploré ici. Ouais, j'ai un couteau normal. Je pourrais aller là-bas, mais pour l'instant, bizarrement, ça me tente moyen.
une plante verte. Il y a encore des trucs à récupérer. Une grenade. Parfait, j'ai tout récupéré ici. Bracelet d'identification requis pour le funiculaire. Et le bracelet, c'est Adakila. C'est le coffre ici qui... Il y a une salle avec un coffre, je vais y aller parce que j'ai l'inventaire qui commence à se remplir. Profitez pour le vider. Le coffre est là. Ça pose, pose, pose. Voilà, on commence à avoir des plantes, c'est pas mal. Encore un couteau de combat ici. On a 3 plantes vertes, 3 plantes bleues, il me manquerait 3 plantes rouges et je peux me faire masse de méga drop. Je me demande est-ce que je le garde ça. Déjà, il y a ça un peu que je peux larguer, c'est ça. Voilà, au moins ça c'est clair. Comme ça, j'ai pas besoin d'enlever la tour. Je vais la garder la tour. Parce que voilà, c'est bien ce que je me disais ici. Ici y a rien. Ah, ici y a un truc. Ouais. Bon, après ça, ça va être une énigme, mais pour l'instant, je n'ai pas toutes les pièces avec moi. J'ai pas toutes les pièces avec moi pour l'instant. Je vais poser les prises en fait. Voilà, je trouve ça un inventaire bien vide. Alors, là, c'est pour aller faire Ada. Bah, il va falloir que j'aille. C'est con ça. C'est con, j'ai loupé des cartouches de fusil à pompe là. Il n'y a que là-bas que je vais trouver des trucs. Alors, combien j'en ai des prises?
J'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en manque. Il y en a 6, c'est ça? Il y en a 6. Il m'en manque 2. Donc en vrai, c'est possible qu'il soit là-bas. La salle de stockage. Donc il va falloir que je redescende tout le truc. Et que je passe. Alors attends, si je dois vraiment y passer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des munitions. Voilà, au moins un truc. Je sais pas pourquoi. J'ai le pressentiment que ça peut me servir. Allons-y. Tiens d'ailleurs, je peux pas y remonter parce que c'est de là que je suis descendu. Ah non, le truc est complètement bousillé. Donc c'est par là. Et ensuite c'est par là. Ouais. Yeah. Bon, pas le choix, là il faut que j'y aille. C'est dégueulasse. C'était quoi ça? Ah bon sang, c'est de pire en pire. Premier mort, il me reste 2 munitions. Chiant, très chiant même. Pour ta vie. Putain de merde. Les cours. Merci. Heureusement que j'ai pris le temps parce que... Wow.
Je fouillerai la zone plus tard. Maintenant que je suis là. Le roi. Qu'est-ce que c'est? Lance-flamme chimique. Oh oui. Oh le lance-flamme. Oh le bébé là-bas. Ouais, on va. On peut y accéder tout de suite ou pas? Queen. Ça va refermer là. Regarde-moi ça. Méga de repos, mon pote. Alors ici, il me faut Queen. Ouais, de toute façon, il me faut la reine pour continuer. Donc autant la prendre. Voilà. Ensuite, on vient là. Donc je peux prendre celui-là. J'ai plus besoin d'aller là-bas. Je peux remettre la reine ici. Non, ici. Et le roi. Art. Donc je le remettre là. Coucou toi. Oh, oh le lance-flamme. Plus vous enflammez une cible, plus les flammes générées sont grandes. Ça fait du sens. Oh là là. Ça donne envie. Je prends le roi, je peux revenir ici. Le tout c'est de pas me softlock quoi. Ok, c'est bon, je sais comment on fait. Alors, je reprends le roi. Monte là-haut. Ah bah non. Je ne sais pas. Je reprends la reine.
je pose la reine. Ici c'est King. Ah bah c'est bon. Voilà. Bah voilà. Tout est clé. Voilà. Ici, et j'ai tout pris. Parfait. Ah oui. Des munitions Magnum. Et j'ai tout fait, ok. Hop. On descend là. Putain, quoi passer là. Plus rien contre moi. Donc non. Ok. Évidemment, je me suis trompé de direction. Et bah parfait. Là, on va pouvoir le poser, lance-flamme aussi. On va prendre toutes les prises. Parfait. J
J'ai les 6. J'ai encore du soin. J'ai plus de balles. Donc, un comme ça. Et un comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre grenade. Je vais prendre un deuxième couteau. Un deuxième soin ne devrait pas être de trop. Ça, je peux le poser en vrai. Pour 2 balles. Je vais prendre le magnum. Je vais le prendre le magnum. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que ça va me servir très vite. Et on a l'inventaire plein. En sachant que... Ouais, le couteau, il peut quand même servir à temporiser un peu quand même. Mais le couteau, il est vraiment usé, quoi. Bon. On va se regarder dans cet état-là. Voilà. Allez. Alors, ici. Il me semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre aussi. Alors si le cavalier est là... La tour est l'une sur l'une d'eux. Ici on a... Pas au plague, donc c'est celui-là. Et on n'a aucune info. Donc, on relit les instructions. La tour et le cavalier sont sur le même mur. Et le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Si je mets la tour là, la reine, je peux la mettre là. Le fou, je le mets là. Et le roi de l'autre côté. Allez. D'accord, recommençons. La tour et le cavalier sont sur le même mur. Donc tour et cavalier, je les ai mis sur le même mur. Et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. Le fou, il est là et la reine, il est là. Soit la reine. La reine et le fou, on les échange. Pas. Alors, cavalier, c'est bon. Tour. Ah, mais je suis con. C'est la reine qui est en face de la tour, pas le roi. Alors, attends, la tour. On la met là. La reine, on la met en face. Et ben le roi, on le met là où il reste à la place. Non ? Il semble que la tour et le cavalier sont sur le même mur et que le fou et la reine ne sont pas côte à côte. La reine et la tour étaient l'une en face de l'autre. Alors le cavalier est là, donc la tour est forcément sur l'un de ces deux. Il peut pas être là parce qu'ici il y a une autre pièce. Donc la tour peut être comme il veut. La reine peut-être que là. Donc c'est le fou et le roi qui sont mal placés. Ça peut être que ça. Ah voilà.
Ouais, okay. J'y suis presque là. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout récupérer. Voilà. Quand on le remonte, ça aussi, ça aussi. Je vais équiper d'abord un couteau. Magnum, je vais le garder. Même prendre des munitions de pistolet. De toute façon, j'ai plus de poudre, je crois. Est-ce que je prends. Je vais prendre plus de grenades. Ça peut servir. Un petit soin en plus. Je devrais faire amplement l'affaire. Vraiment pas beaucoup de munitions de fusil à pompe. Hein. Ah. Une plante bleue. Fermé de l'autre côté. Il y a quoi de l'autre côté? Mais merde, je dois rétablir le courant. Alors on a une plante rouge. S'il y avait une plante verte dans le coin, ça pourrait être pas mal aussi. Dans le ah parfait comme ça hop trois soins ne sera pas trop je pense. Bon bah c'est parti. Ça brûle, ça brûle. Encore vivant? Putain, il court vite ce con. Oh.
passé loin celle-là. Et viens ici la praline. Mais putain, mais laisse-moi agir quand même. Cette fois, je te tiens. Tu vas voir. Bien passé. Par contre, les pralines que le mec n'a mué, mais c'est pralines le magnum. Par contre, j'espère que c'est fini cette fois. Magnum, il met de ses pralines. Je dis pas non, hein, parce que vu comment le combat m'a coûté cher. Grenade, un couteau. C'est parfait ça. Ada! Ada, où es-tu? Par ici! Ah. Ada! Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le! Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Je peux le faire. Détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu as peur encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant ?
Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez, on a du pain sur la planche. Ils sont vraiment en train de faire de l'humour, là. Bon, on est de retour avec Leon Castellanos. Ce bracelet est notre ticket. Bien, tu l'as trouvé où? Un emprunt, mais peu importe, on y est presque. Tu pourrais sauvegarder pendant que t'essayes d'avancer. Voilà. Je vais poser des trucs hein, parce que clairement j'ai pas besoin d'être stuffé à ce point là. Voilà. Juste prendre mes missions pistolet, de toute façon, vu ce qu'il y a. Je n'irai pas bien loin. Je vais sauvegarder encore une fois. Laisse-moi te porter. Non, je me sentirai encore plus mal. Putain, mais le funiculaire, il est loin. J'en ai marre de t'attendre. Comment va ton épaule? Pire que ça en a l'air. On fait la paire. Tous les deux, un pied dans la tombe. Ça pourrait être un aller. J'espère que t'es prêt. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale. Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ah ouais, d'accord. Ça drague les flics maintenant. Ça, c'est uniforme. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Oui, bah, hey, c'est pas le moment. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivés au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Évidemment. Je compte sur toi. Je sais. Fallait que ce soit une femme qui dise « Ouais, va risquer ta vie contre des embarres, pour que je reste bien à l'abri. » Et en plus, ça me bousille une place d'inventaire. Allez, c'est bon, y'a rien. Ouais, reste bien au chaud, Ado. Ça a l'air gigantesque, leur connerie, là. Veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes.
complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Oh, il y a de la lumière. Oh là là, fini le noir avec la lampe torche à la mort. Oups. J'ai pas le plomb. Ok. Je me demande où est le virus G. Journal de repos. Hey. Oh, un coffre. Ok. Un coffre et un point de sauvegarde. Et on entame notre 40e sauvegarde. Ok. Ok. Alors, ça m'intéresse fortement. Plan du labo zone nord, comment ça? Oh d'accord. Ici j'ai tout fouillé. Ok. Accès refusé. Fort bien. Sur nos recherches biologiques, répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments bons pour la santé. Alors, le cannibalisme avait ses trucs, mais quand même. Carburant. Oh.
dégâts de repos. Ça pourrait me servir. Très bien. Wouah, le mode pour le lance-flamme. Parfait. Donc, par contre, il m'a dit qu'il reste encore des trucs. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone. Allez, on a encore un peu de temps devant nous. Est-ce que j'ai encore de quoi me faire une munition de fusil ou pas du tout? J'ai pas du tout de quoi. Ça va être compliqué là, ce rythme-là, si ça continue. La cible se dirige vers la zone ouest, il doit aller chercher Virus G. Attends, la cible se dirige vers la zone ouest, il doit aller chercher Virus G et l'agent antiviral. Ici Ghost compris, rendez-vous au point 03, bien reçu. Ici Alpha, sommarie de session, compris, attendez ici. Ici Alpha, voilà la cible, il s'apprête à voir le code, bien reçu, attendez signal. Virus G en busuel, on entre, docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Ah! Le virus G est dans la zone ouest. Compris. Ok, je vois le genre. C'est l'identification 4. On peut pas y aller. Ah, là. Avec un niveau 2, je vais pas aller par là. Ah.
ça c'est clair au moins. Bon. Une plante. Un point de sauvegarde, un coffre, parfait. Et méga de repos. Ça, je vais le stocker. On va sauvegarder. Il y a plusieurs portes. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Nye. Ah, il y avait une pièce par là-bas, j'avais pas vu. J'aime pas du tout l'idée. Bon sang. Oh merde. La musique, elle est stressante. Ok. Ici, il me dit qu'il y a encore des trucs. Pulvérisation de solution en cours. Cartouche.
Ok. Je flippe, hein, à max. Synthèse herbicide. Placer une cartouche vide dans le distributeur de solution. Injecter le volume nécessaire. TUMB numéro 21. Refroidir immédiatement. La croissance de la plante 43 est phénoménale. Si jamais l'incident menace produire, elle pourrait échapper à un contrôle. Si c'est le tel cas, fabriquer une citadelle d'instruction, c'est de minimiser les dégâts. Ok. J'ai un bout de papier ou une feuille ou un truc pour noter quoi. Parce que là, ça va être compliqué à retenir tout seul. Ça c'est quoi? C'est bon. Alors, parce que là. Tac. 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 Ok, j'ai trouvé la moitié du truc. Fait quand même pas mal de possibilités, donc j'aimerais bien trouver le reste de la combinaison. Ok, il y a plusieurs codes à rentrer. Ça va être plus chiant. Alors, les codes que j'ai pour l'instant, celui qui est complet. Ok. Essayez de taper un truc. Hein.
ça va être trop long de tester des possibilités à l'infini. Ça va être trop long. Je pense qu'il y a moyen de le trouver. Bon, j'y retourne. J'aime pas du tout. Plan du labo, ça peut être pas mal. Ça faisait longtemps qu'il était pas rechargé à fond, lui. Test basse température, salle des serveurs. Pas de courant. Par contre, le jeu est en train de me réarmer. J'aime pas l'idée. Le jeu est en train de me réarmer bien sévèrement. Là. Trophée. Ah ! Oh, jamais j'aurais pensé à trouver le code. Ok. Oh, jamais j'aurais pensé le trouver là. Je suis mort. Je suis mort. Il y a au moins 3 liqueurs. Ouf.
Bon. Le moindre coup que je me prends, je crève, hein, tout va bien. Il me faut un point de sauvegarde, et vite. Jeune. Munition. Ils se sont tous transformés en sorte de plantes. Ils reviennent sans cesse encore et encore. Brûlez-les. Brûlez-les jusqu'à ce que leur corps soit carbonisé. C'est la seule solution. Ok. Un modulateur de signal. Parfait. Ah.
Je vais pas avoir trop le choix si je veux pouvoir y accéder, il va falloir que je tue les liqueurs. Mais pour tuer les liqueurs, j'ai clairement pas les moyens. Voilà. Pas trop les moyens. Attends, changer, c'est en... Non, bah non, bah non, bah non. C'est marqué Murf. Voilà, le dernier. Ça est raccourci, hop, voilà. De la drepoux. Du carburant. On a
pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ah bah attends, je vais pouvoir même faire un milieu. Où est-ce qu'il est? Là. De toute façon, de la poudre noire passe sur... Ah si, il m'en reste. Voilà. Sauvegarde un coup. Voyons voir. Il est quelle heure? Il est 15h42. Alors, je vais encore jouer un peu avec vous. Et il y a encore des trucs à récupérer. Un couteau. En rouge, enfin en jaune. Est-ce que bienvenue, Dr. Lee. Vous avez 5 nouveaux messages. Qu'est-ce qu'il faut? T'as vu la dernière? Il faut que je calme sa joueuse quand même. Enfin, de le patron pour l'instant, sinon on n'a pas le double. T'as pas vu ma double vie? J'ai inscrit mon secret de saut. Dis-moi si tu le trouves. Alors comme ça, on n'est pas pu venir à notre petite réunion. Pas de soucis, oubliez l'inspection de la sœur, je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans 2 ans. Je le veux ce soir. On nous attaque, il y a des morts, on ne peut plus accéder aux zones est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets. Où se cache cette enflure de Cartwheel? La plante 43 est déchaînée, c'est le chaos dans la serre. Il faut quelqu'un là-bas. Avant qu'il soit trop tard, oui, comment on peut arrêter ce truc? Tu dois nous aider, je t'en prie, réponds. Tu te souviens de Suzy, la Papa Girl, le cachot-tu? On était tous les deux dans l'hôtel. Et bien sûr, on s'en fichait. On s'en fichait des nerds. Faut toujours que je te rende tes VD et jeux que je t'ai emprunté. Mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Ok. Et donc là, j'ai accès. Il m'a dit qu'il y a des trucs à récupérer. Qui a laissé le congélo ouvert?
On avance bien, c'est... Maintenant que j'ai le code... Parfait. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche.
Ce genre d'énigme, d'habitude, j'y arrive facilement, mais là... Qu'est-ce que je fais C'est chiant ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce que j'ai dans le dernier, il faudrait que je l'enlève à ça. Attends, si je fais ça. Et merde, je me suis gouré. Et merde. Chiant, hein. Salut Firestorm. Salut Firestorm, je t'ai juste appelé comme ça. Comment ça va? Moi je galère. Je galère avec cette énigme. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. C'est dommage, t'arrives à la fin du live. Dans peu de temps, je vais m'arrêter. Non, je vais inverser. Attends. Faire ça. J'ai le droit à la meilleure partie du gameplay là. Ouais, non. Ah bah attends, je l'ai là. Oui. Yes. Enfin. Oh la cartouche. Alors oui, te demande pas pourquoi j'ai un minigun. Je suis tombé sur trois liqueurs en même temps. J'ai pété un plomb, j'ai dit ok minigun.
parce que j'en ai eu ras-le-bol. Ok, maintenant que j'ai la cartouche, ici, il y a encore un truc à récupérer. J'ai pas une poudre avancée. Oh merde. Puis il n'y a pas de coffre ici. Hein. Et ben, je vais redescendre directement. C'est par là. C'est bon. Chargé. Ok, c'était en haut. Ok, là il y a un point de sauvegarde. Je vais pouvoir reposer le minigun. Ça je pose. Ça je vais garder avec moi. Je garde. Je vais recharger mes armes. Pistolet normal là. Oui. Raccourci. Franchement, pour 8 balles, je les garderais bien. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Hop. Bon, on va encore avancer un peu. On va essayer de récupérer au moins l'accès suivant. Logiquement, ici, j'avais tout réduit là. Voilà, c'était le lavabo de basse température. Elle est morte, je m'en suis chargé. Personnellement, en tout cas. Là, il y a un zombie. Je donne pas cher pour dire qu'il se réveille. Alors. Hop. Ok, commencement du truc. Oh, le congélateur quoi. Refroidissement terminé. Ok. Ensuite, attends, je dois aller où après moi? Ah, c'est la salle de contrôle de la serre. Demain. Il y avait un Mister Plant ici, je crois. Voilà. Parfait. Ouais, il me reste plus que quelques pièces à passer et ce sera ok. Voilà. Alors ici, on lui met la cartouche. Pulvérisation de solution en cours. Ça a marché. Alerte.
Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Je sais pas pourquoi ils vont bientôt se réveiller. Oh, c'est une blague! Merde! Encore lui? Oh la vaste blague! Ah non! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh non! Oh non! Nous, on préfère les gentils zombies, mais c'est ça. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Bon, bah... Et merde. Aïe. Je crois que je suis mort. Ce... Oh non. Oh non. Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais tellement pas. J'ai entendu ses pas, j'ai dit... Oh non, c'est pas vrai. Oh la vache! Je reviens, 2 secondes. Attends, elle est où la porte? Elle est là. Alors, soit il m'aime bien, soit il veut ma peau. Je pense plus pour la deuxième option. Alors, où est-ce que t'es? Voilà! tac 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 tac, la cartouche, je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir besoin. Et là, je sais pas du tout jusqu'à quand il va s'arrêter de me poursuivre. Ça va être drôle. Ça a marché. Bon. Ce que je vais faire avant d'aller déclencher Mister je sais plus quoi là, Mister X. Vos actions ont été enregistrées. Et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Putain de merde. Putain, j'ai pas vu derrière moi. Mon couteau, voilà. Bon, et j'espère qu'on est prêt à courir, et j'espère qu'il va pas me poursuivre trop longtemps. Merde, et merde, il n'y a pas équipé au raccourci à la place de ça. Je connaissais plein de zombies, mais non, pas trop plein de zombies. Ouais, c'est ça.
Je vais sauvegarder. J'ai plus beaucoup de carburant par contre. Est-ce que j'ai encore... Oui, j'en ai encore. Ça c'est bon. Allez. C'est bon. Est-ce que je peux refermer le pont ? Ah non, je peux pas. Cassette, j'ai pas vraiment le temps de regarder une vidéo du Hard Corner, mais bon. OSS. Attention les oreilles, ça va faire mal. Hein. Modulateur, j'en ai encore besoin. La cassette, pour l'instant, je vais la remballer. Je vais remballer la grenade là, mais je vais la... Je vais la garder avec moi. Ah, bah, il y a le lecteur. Bon, en vrai, je pense qu'il va... Il devrait pas pouvoir me... qu'est-ce que je fais, moi? Là, je vais me retourner, va être là. PSG en visuel. On entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. Je savais bien que vous viendriez! C'est le travail de ma vie! Hors de question que je cède quoi que ce soit! Nous avons des ordres, docteur Birkin. Je vous le demande encore une fois. Laissez-le! Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris? On avait ordre de le ramener vivant! On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste les échantillons. Allez, on bouge. C'était okay. Des échantillons du virus. ADC met fin à toutes ses recherches sur G menées dans le laboratoire sotin du Nest. Tous les fusions brûlées ont été coupées. Oh! Attends, quoi? William Birkin a été démis de ses fonctions. Ah, c'est pour ça qu'il voulait se barrer avec le virus. Merci pour votre message. Nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en évolution. Que vous mentionnez, nous en faites pas pour le budget. Notre entreprise bénéficie du meilleur financement des États-Unis. Attends, expéditeur. BE. Vous avez pris, mais G est presque prêt. Je suis vrai que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège d'Umbrella, mais vous, je ne vous en tiens pas rigueur. Envoyez-nous les données, je vous prie. Et ne vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G. Nous occupons du reste. Oula!
Avertissement de sanction. Vous êtes soupçonné d'avoir enfreint notre contrat avec Umbrella Corporation. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Ah merde. Et bonjour. Oula, alors, ton pseudo. J'espère que je ne vais pas l'écorcher. Elias 93300. Sinon, salut, et bah, moi ça va très bien. Je vais bientôt m'arrêter, malheureusement. Mais bon, vous disposez de 24 heures pour présenter devant le comité d'enquête. C'est pas faux. Poudre jaune, je l'ai bu. Ce serait dommage de passer à côté. Peut-être emballer la cassette quand même. Emballer la cassette. Alors le laboratoire test biologique, il y a encore des trucs à faire. Je suis légèrement pressé. Salle des bioréacteurs. Oh. Alors, je peux te poser une question? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis là pour répondre aux questions. Je t'écoute. Je suis tout ouïe, je dirais même. Ce que je vais faire, c'est que je... Ouh, le jeu est en train de m'armer. Ouh, le jeu est en train de m'armer. Aïe, aïe, aïe. Je viens de commencer le jeu. Ça fait déjà 1h20 que je joue. Oui, jusque là, je te suis. Le jeu est en train de m'armer. Je vais poser ça et prendre le... Magnum. Munition Magnum. Voilà. Plante rose, je vais pouvoir me refaire un petit soin. En 1h20, en 1h20, tu peux avoir fait pas mal, hein. Donc je ne sais pas où à peu près. Je suis en difficile et quand on m'attaque, je passe directement en rouge. Alors que je devrais passer en orange. Si t'es en difficile, je me demande si justement c'est pas le fait que tu passes en rouge. Moi, je suis en normal. Sur ma partie, moi, je suis en normal. Après, si t'es en difficile, je pense que justement tu prends plus de dégâts facilement. Après, ça dépend aussi quel zombie te frappe. Si c'est comme moi, tu poursuis par Mister X et que c'est lui qui te frappe, je pense que ça fait plus mal que si c'est un pauvre zombie tout basique. Alors, journal recherche. Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, ils ont pratiqué une incision de 50 cm entre la poitrine et l'abdomen. Et commencé l'observation. Avec l'aide de l'équipe médicale, le niveau conscient du sujet a pu être maintenu. Entre 15 lucides et GCS 10. Toutefois, le niveau s'est détérioré. Nous avons jugé nécessaire pour cette opération. Le sujet a été éliminé. Le virus G a été inoculé au sujet 501 après s'être transformé en G. Le sujet 501 a été mis en présence d'un groupe de 30 sujets de test. Après 2h et 36 minutes, un embryon a été implanté dans tous les sujets, sauf un. Tous les sujets ont été éliminés. L'un d'eux a craqué au cours de l'expérience et s'est ôté la vie. J'ai bu. Nous avons inoculé le virus G au sujet 628 qui avait montré une légère résistance au virus T. Le virus a ensuite été transmis au sujet 639. Ces zombies normales, quand on choisit difficile, on ne dit pas que les zombies font plus mal. Bah, c'est d'un côté, c'est logique, je trouve.
que justement les zombies fassent plus mal. Après, si c'est pas indiqué, oui, c'est pas. Mais je pense que c'est logiquement plus mal. Enfin, c'est logiquement normal. Là, ça a été ensuite transmis 639 avec lequel 628 s'entretenait une relation intime. Ah. Malgré les signes de résistance, 628 était porteur d'un embryon. Après 24 minutes de la résistance aux biosités, n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par le virus. Ok. Et. Bon. C'était facile. Ça pue! Il est temps d'aller retrouver Ada. D'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement. Ah. Oh merde! Attention, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée. Oh merde! Il est brise. Encore toi. Non. Il est à moi. Il faut en finir. Je veux savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi ? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non ? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous ne tirerez pas comme ça. D'accord. Oh mon Dieu, William, qu'est-ce que t'as fait? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus, j'ai mais à aucun moment on n'a voulu. Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Pas de double tap ? Non, pas de double tap. Mais non, mais m'isole avec. Qu'est-ce que vous faites? On peut pas le laisser s'échapper. Ok, je m'en occupe. Ouais. Ouais. Hop. Tiens, prends ça. Ah merde. C'était facile. Trop facile. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur ce coup-là. La cible est neutralisée. Fin de la quarantaine. La destruction sera lancée une fois le confinement. Ouais, il va y avoir masse de stuff ici. Je vais peut-être... faire au moins le tour. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Ascenseur de service opérationnel. Une grenade. Attention, retrait. Je ne peux pas tout prendre. Du carburant, je peux pas le prendre non plus. Pas assez de place. La séquence d'autodestruction.
Très anticlimatique. Ouais, c'est ça l'idée. Hein. Encore une grenade. Ici, des munitions de Magnum. Je prends ça par contre. Munitions. Un kit de soins. Ça par contre, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Je vais pouvoir reprendre le Matilda. Parce que là, j'ai de la balle. Raccourci en bas. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction et sera lancée une fois le confinement terminé. Ok, il n'y a plus rien ici. Attention. Parfait. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. Après, grenade. Bon, ça va, j'ai pas trop. Mais le carburant, ça me fait un peu chier ça parce que c'est très limité le carburant. Ça a l'air sérieux. Et ça fait... Mais stylé, Léon. Ouais, c'est ça. Le rapport stylé, à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains, il... Bon, je reprends ça parce qu'il y a toujours Mister X qui prend son cours après. Moi, j'ai toujours Mister X qui prend après, je crois. Attention, séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai du niveau inférieur. Ok, bon. Je trouve pas pourquoi il manque un truc. Ce que je vais faire, c'est que... Oh, j'ai encore besoin de bracelet. Ça, en vrai, j'en ai plus besoin puisque j'ai les missions. Ça, en vrai, je suis pas sûr que j'en aurai encore besoin. Et on va prendre... On va prendre la crosse pour un coup. J'ai plus de... Bon, à quoi on va prendre... Je vais garder ça en cas de dernier recours. Pour... au cas où il me casse un peu les boules, Mister X. En vrai, ça, je peux le poser. Ça, hop. Tac, 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 tac. Voilà, il me reste un peu d'emplacement si je trouve des trucs. Je vais pas prendre de carburant. En vrai. Lance-flamme, je vais le prendre, le lance-flamme. Attention, séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement la... Justement, je pensais à toi. On est deux alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Et j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Gros, je l'ai.
Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Oh, Léon. Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon ? J'ai la garce ! Même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Bah bougez de là déjà. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Oh là là. Prends ce coup de maître. Quoi? Oh merde. Aga! Personne n'aura cet échantillon maintenant. Fais attention à toi, Léon. Non ! Au revoir, Ada. Oh, la musique à la Fallout. La musique à la Fallout. Bon, ça sent les emmerdes maintenant. Pas besoin de soi. 9 minutes avant détonation. Qui c'est ? Claire ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Léon ! Toi aussi, tu es là ? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite ! Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là ? Claire ! T'es encore là ? Léon ? Hé, hey, Léon, je t'entends mal ! N'attends pas ! Fiche le camp d'ici ! Merde ! Oh, la musique s'excite ! Qu'est-ce que c'est ? Couteau ? Wow. Alors, je vais faire une sauvegarde, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, de toute façon, je suis déjà stuffé. Ok.
ça ressemble à une arène ici. Merde. Putain, la grenade fait chier. Merde. Bon sang. Merde. Il me la faut, hein. Ah, évidemment. Attends, là, il y a un cop. On n'est pas dans Doom. Vous êtes mort. Séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai. Une voie.
Bon, on est reparti. Bon, on va la passer la cinématique, hein. Si se relève après ça, putain, il est fort. Vous êtes arrivé au niveau inférieur. D'abord. J'arrive pas à croire qu'elle me manque. Ce serait une fin. Léon ? Hey. On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. Enfin! Yeah! Enfin, putain, on a fini ce jeu! Je l'ai fini! Putain, qu'il était dur! Mais putain, que j'ai pris du plaisir! Dernier métro pour enchâter les ailes! Oui! Mais putain! Oui! Yeah! Putain! Enfin! Oh, qu'est-ce que j'aurais galéré! Oh oui! Fais du bien! Allez! Un héros est né! Succès déverrouillé! Léon S. Kennedy, mode normal, temps total 6h41, sauvegarde 48. Le rang, le type B. Oh là là, ça y est! Resident Evil 2. Pam 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 pam. Oh là là, oui! Enfin! Nous! Tout ce que j'ai débrouillé.
Nouvelle partie bis est maintenant disponible dans la section campagne. Enfin, certaines parties diffèrent dans le scénario bis. Genre, nouvelle partie. Oh ouais, bah, je vais pas refaire le jeu. Pour faire A, il faut faire 5 heures. C'est-à-dire que j'ai quasiment 2 heures de trop pour faire le rang A. C'est énorme. Il faudrait aussi que je fasse la campagne claire. Mais franchement, je pense que je vais juste me limiter à Léon. Et passer au jeu suivant pour le prochain live. Je devais m'arrêter à 16h20. Il est 16h43. Je suis légèrement en retard. Mais je l'ai fini. D'accord. Ah bah oui, puisque j'ai pas encore fait le truc de clair, il me débloque pas tous les costumes. Mais voilà! Ça c'est bon! Enfin j'ai fini! Ben, je suis content parce que au moins j'ai réussi à le faire. Premier Resident Evil que je termine. C'est déjà pas mal. Bon, on va aller voir s'il y a quelqu'un à les raids. On va aller voir si j'ai un ami que je peux raid pour vous envoyer quelque part. Alors, Twitch s'il vous plaît. Voyons voir. Non, je veux pas le dashboard, je veux juste Twitch. Ah, ça fait du bien de l'avoir terminé quand même. Eh ben, il était vraiment bien ce petit jeu. Il était vraiment bien. Alors, eh bien, il y a Adrilène qui live. Il y a Jay. Oh, bah, je vais l'envoyer là, je pense. Hop. Alors, lancer un raid. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à passer ce soir voir Charwina en live. Elle sera sur Cult of Lamb. Moi je vous dis à la prochaine. Semaine prochaine, je vais essayer de live un peu sur ma chaîne personnelle. Sur quelques petits jeux VR. Montrer un peu à quoi je joue. Peut-être que je retournerai un peu sur Ragnamod. J'ai toujours la map, j'ai toujours le lien vers le serveur. Toujours ouvert à tout le monde s'il veut rejoindre. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc je vous mets la scène de fin avec le planning. Et après je vous envoie chez un ami. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et portez-vous bien. Ciao tout le monde, c'était Purple Guy. Allez, au revoir tout le monde.